Bonjour et bienvenue à tous dans cette 11e vidéo de la soluce complète de Final Fantasy IX. Vous vous retrouvez sur la route de la Gorgone pour rejoindre Alexandrie. Commencez par donner la lettre de Nazuna à Mogovski avant de partir sur la gauche de l'écran pour trouver deux coffres et un levier. Vous trouvez un Aubert dans le coffre du bas et un René dans celui du haut. Une fois les deux objets récupérés, actionnez le levier avant de revenir dans la première pièce. Partez maintenant à droite, puis en haut, pour recevoir quelques explications de la part de Toto. Une fois l'échange terminé, tirez sur la poignée pour faire venir la Gorgone. Revenez à l'écran d'avant et partez tout en bas pour appuyer sur le bouton qui vous permettra de nourrir la Gorgone et de monter à son bord. L'Arvalar Junior est un boss très simple à battre puisqu'il ne possède pas d'attaque particulièrement dangereuse et que vous n'aurez que 2300 PV à lui enlever avant qu'il ne prenne la fuite. Toutefois, avant de le frapper, pensez à voler les deux objets qu'il possède, un ossumelet et une mitraite. Après la séquence avec Daga, Steiner et Marcus, vous reprenez les commandes de l'équipe de Jidan aux portes de Blumessia. Si vous le souhaitez, vous pouvez d'ores et déjà vous rendre au tronc de Clara, mais je vous propose plutôt de faire deux détours. Le premier dans la caverne de Gizmar pour donner votre grain de Kubo, et le second au Marais des Coués pour attraper quelques grenouilles et espérer arriver à faire monter votre compteur à 9 unités pour gagner une robe de soie. Vous penserez aussi à laisser au moins une grenouille mâle et une grenouille femelle afin qu'elles se reproduisent plus vite. Je vous laisse ici et vous retrouve dans une autre vidéo pour la suite de la soluce. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un commentaire, un pouce bleu et à la partager. Et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner.